Comment pourrais-je imaginer qu'un de ces jeunes de 20 ans, on vienne un jour le débiner dans ce vaste ciel de croyants. Au séminaire, il est entré, croisant déjà de simples curés, bien silencieux et cloîtrés, chez eux, faut pas promettre et jurer. Il avait toujours en lui une photo de sa belle. Il aimait sa belle de nuit, elle se nommait Annabelle. Un curé amoureux, cela n'a rien d'inquiétant. Et tant mieux, ce bienheureux serait-il pour ça incompétent. Et ce brave homme sur la croix, pensez-vous un seul instant qu'il aurait eu autant d'effroi et laissé comme un pénitent. J'imagine, et tellement d'autres, avec moi, se le confesse, que même chez les apôtres, ces braves âmes, ils le professent. Que Cupidon, de toute manière, il aime bien, c'est certain, qu'a pour Paul comme une prière, il a prouvé malgré les crétins. Un curé amoureux, cela n'a rien d'inquiétant. Et tant mieux, ce bienheureux serait-il pour ça incompétent. Un jour viendra, qui sait, peut-être, où ces humains s'offusqueront d'un peu plus de ce mal-être, de ces curés et d'un qu'en dira-t-on. Et le brave homme sur sa croix, que penserait-il de cette médisance? Allez, je me le demande, ma foi, sans aucune suffisance. Et peu importe une Annabelle, un Pierre ou Jacques, s'ils s'aimaient, et quoi de plus odieux et cruel d'oxyre leur flamme? Cela n'a rien d'inquiétant, et tant mieux, ce bienheureux serait-il pour ça incompétent. Un curé amoureux, cela n'a rien d'inquiétant, et tant mieux, ce bienheureux serait-il pour ça incompétent.